cette innovation, elle a répondu à un besoin tout simple, c'est qu'une personne, pour travailler dans une fouille, dans une tranchée, elle a besoin d'être bien installée. Et jusqu'ici, en fonction de l'environnement, en fonction de la nature du travail à faire, on n'avait pas d'outils polyvalents pour le faire. Et donc, c'était un petit peu du bricolage, de l'artisanat. Et partant de ce constat-là, un monteur, un jour, a imaginé un produit, ce tabouret ergonomique, qui lui permettait d'être à la fois bien installé dans sa tranchée, quelles que soient les situations de travail. Thierry Urbain, qui s'occupe des matériels et méthodes, a voulu reconstruire les anciens tabourets verts. Donc, il nous a demandé si on n'avait pas quelques idées. Et en fait, on a pensé qu'il serait intéressant de pouvoir séparer les câbles HTA des câbles BT. C'est important de travailler dans une position optimale. Au niveau du dos, pas avoir mal. Donc ça rapporte quand même un réel confort au niveau de l'assise et puis du champ de travail. C'est vraiment un produit qui concerne l'ensemble de la profession. Tout un chacun qui fait des boîtes souterraines est intéressé par ce tabouret. Conçu il y a 5 ans par un technicien exploitation, soucieux de prévenir ses maux de dos, le tabouret ergonomique a connu plusieurs évolutions, toutes imaginées par les agents de plusieurs sites de la direction Enedis Picardie. Ses principaux avantages sont les suivants. Améliorer l'efficacité et la qualité de raccordement de pose des accessoires sur les câbles, optimiser le confort d'installation et l'ergonomie pour l'agent, prévenir les troubles musculo-squelettiques et par conséquent réduire les arrêts maladie. Alors cette innovation est régionale à partir du moment où elle a été dans un premier temps produite dans un garage d'un agent Enedis Picardie et puis après elle a été développée par un artisan et aujourd'hui c'est une entreprise Picard qui va produire ce produit au niveau national. Avec nous, avec un brevet, on a dépassé largement nos frontières et de fait Enedis assure un ancrage territorial. La première motivation que l'on a, c'est déjà de répondre aux besoins de l'opérateur terrain. Cet opérateur, en fait, selon la façon dont il travaille, selon la façon dont il est installé, selon la façon dont il prend soin de lui-même, peut être plus ou moins performant, il peut être plus ou moins exposé au risque. Et la première valeur d'Enedis, évidemment, c'est la prévention sécurité. Et la deuxième aussi, c'est la recherche de performance. Et donc, avec ce tabouret, on répond aux deux. C'est une nouvelle dimension. C'est vrai qu'aujourd'hui, on avait plutôt pratiqué une logique d'innovation interne et les points d'accroche avec les entreprises partenaires externes étaient assez limités. Depuis une période assez récente maintenant, on a ouvert, on est dans une logique d'open innovation. Sur l'exemple de ce tabouret, c'est une entreprise industrielle. On a fait un premier prototypage. Mais ce prototypage, il fallait le rendre un produit industriel, commercialisable, vendable. Et on l'a fait pas tout seul, on l'a fait avec une entreprise dont c'est le métier.